Bonjour, je suis Rémi Quinton, je suis adhérent du Parti communiste dans les Alpes-Maritimes, à Antibes. J'ai adhéré au Parti communiste suite à la campagne de 2012. Bon, avant, j'avais toujours voté communiste. J'avais ces idées-là de gauche, hein, tout simplement de gauche. Ça fait longtemps que je pense que c'est le parti de gauche. Donc j'ai adhéré après la campagne de 2012. Je suis devenu animateur de section. Dans ma vie privée, je suis salarié du secteur privé dans une entreprise qui fait de l'informatique, du développement informatique. Donc c'est vrai que cet engagement-là au Parti communiste, on le voit avec l'actualité aujourd'hui, avec la loi travail qui par exemple veut défigurer le code du travail. Effectivement, je suis content d'être dans un parti qui lutte contre cette loi, qui entraîne beaucoup de gens contre cette loi, qui, si elle était votée, fait que par exemple des salariés du secteur privé comme moi pourraient être extrêmement facilement licenciés dès qu'il y a le moindre retournement de conjoncture économique, ce qui dans les entreprises du numérique forcément arrive. Après, mes autres engagements au Parti communiste, c'est aussi pour l'environnement, pour l'écologie, pour l'aménagement du territoire. Je pense qu'il y a beaucoup de manques, particulièrement dans mon département des Alpes-Maritimes. Il y a un aménagement qui est vraiment fait n'importe comment. Dès qu'il s'agit de se déplacer, ça devient impossible. Et il y a vraiment une perspective typiquement de mettre les choses en commun, par exemple le transport en commun, et qu'on devrait redresser dans notre département. Malheureusement, on a un département qui est très très à droite. Mais on a besoin d'un parti communiste, y compris dans ce département, qui est d'ailleurs un des rares partis qui soutient encore la gauche, qui tient la gauche debout dans le département des Alpes-Maritimes. On le dit trop souvent, des fois, c'est vrai, quand on discute entre nous, on est, j'ai envie de dire, des fois sur des problématiques typiquement de communistes qui baignent dans le jus depuis très longtemps. Mais et on en oublie que des fois, tout autour de nous, c'est la droite, c'est la vraie droite. Donc, et face à ça, on a besoin de redresser une perspective de gauche. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis engagé au Parti communiste. Alors de ce congrès, j'attends qu'il rassemble les communistes déjà. C'est vrai qu'on a vu au moment des votes qu'il y avait eu... il y a eu un vote qui a emporté la majorité, mais il y a eu beaucoup de votes. J'attends qu'on se rassemble tous, qu'on se fixe des lignes claires, donc pas seulement 2017. 2017, c'est un jalon important l'année prochaine, mais pour les trois années à venir et même après. C'est pas 2017 ne va pas tout faire, il n'y a pas de sauveur suprême, il n'y a rien de tout ça. Donc j'attends qu'on se donne une ligne claire et j'attends surtout qu'enfin on s'adresse au peuple, que des fois, les débats entre nous, c'est très important. Mais on doit s'adresser vraiment à la population et c'est comme ça qu'on doit s'élargir.